On arrivait Echot Birkatoda à la Chahé, passage Zaïm. Dans la brochure, c'est page 31. Vesod Ze, Prinat Tikkun Abrit Kodesh, ou Prinat Tikkun Yordaïa. Donc on a vu pour l'instant les trois premières parties, c'est-à-dire on a vu le Pshat, le Remez, le Drash, qui sont par rapport au. Maintenant, on va voir le Sod, le quatrième, qui sont par rapport aux quatre qui doivent remercier Hachem. Celui qui était dans le désert, celui qui était malade, celui qui était en prison, celui qui était malade, et le quatrième, celui qui a voyagé en mer et qui est revenu. Donc on a dit que celui qui a voyagé dans le désert, le tikkun du désert, c'est-à-dire de trouver son chemin, c'est d'étudier le Shulchan Aruch. Après, on a vu le tikkun de la maladie. Non, on avait le tikkun de la maladie, pardon, c'est d'étudier le Shulchan Aruch. Le tikkun du désert, c'est de donner la tzedaka pour recevoir des allusions d'Hachem pour pouvoir avancer. Hier, on a vu le troisième, qui était le yam de Shabbat. Que Shabbat, c'est ce qui va nous permettre de faire des droshim dans la Torah, c'est-à-dire de sortir de prison. Alors que pour sortir de prison, c'est la Emouna, puisque la Emouna ça libère, et la Emouna ça va donner la possibilité après de faire des explications de la Torah, d'expliquer la Torah. Alors maintenant on va voir le Sod, qui est le quatrième niveau de la Torah, et qui correspond par rapport au quatre à celui qui a voyagé en mer. Et maintenant la réparation c'est Tikkun Abrit, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir accès au secret de la Torah. C'est la réparation d'alliance, c'est au Prina Tikkun Ordayam, qui est la réparation des gens qui vont descendre en mer, qui vont voyager en mer. Ki Ikar Sodot HaTorah Zochim Al Yedei Shmirat Abrit Kodesh. Parce que les secrets de la Torah, principalement, on les reçoit par le fait qu'on garde l'alliance. Prinat Sod Hashem Lireav ou Brito Leodiam. Comme il y a écrit dans Tehilim, les secrets d'Hashem sont pour ceux qui le craignent, au Brito Leodiam. Et son alliance de leur faire connaître. Qui Sod Begematria Shivim. Parce que Sod, merci, c'est Gematria Shivim. C'est la valeur numérique de 70. Chez Enzochim Nazeki Maliede Shmirat Abrit. Que quelqu'un, pour entrer dans les secrets de la Torah, il doit garder l'alliance. Que maintenant, par le fait que quelqu'un a le mérite de se débarrasser de cette tava-là, de ce désir-là, de la tava des femmes, que ça inclut, là-dedans, il y a le mal des 70 nations. Comme Rabbeinu dit là-bas dans cette Torah, la Torah Lamed Vav, qu'on verra Bezrat Hashem d'ici quelques mois ou quelques années, tout dépend du temps que ça va nous prendre. Mais dans cette Torah-là, Rabbeinu dit qu'il y a 70 nations, que chaque nation, elle a une spécialité dans le mal. C'est-à-dire qu'il y a une nation qui est paresseuse, il y a une nation qui est cruelle, il y a une nation de voleurs, il y a une nation de menteurs. Il y a 70 nations, elles ont 70 défauts. Mais il y a un défaut qui inclut toutes les 70 nations, c'est-à-dire que toutes les 70 nations sont d'accord sur ce défaut-là, c'est l'union de la Tahava des femmes. Ça inclut le mal de toutes les 70 nations. Parce que cette Tahava-là, c'est celle qui attaque directement l'alliance, c'est-à-dire le Brit. Là, ça attaque directement le lien avec Hachem. Donc, chaque Tahava, Bémet, elle va endommager un petit peu le lien avec Hachem. C'est-à-dire quand quelqu'un va avoir une certaine tahava, ça va abîmer un petit peu le lien avec Hachem. Mais cette tahava-là, elle coupe complètement. C'est-à-dire elle fait que la personne elle est complètement déconnectée d'Hachem. Aïn Sham, Shekatav Sham, Aliede Shomde, Benisayon, Shel Tahava Zot, Shuikara Nisayon, Vatsirouf, Shemenasim Ladam. Maintenant, par le fait que quelqu'un résiste à cette tahava-là, qui est le principal de l'épreuve de l'homme dans ce monde, c'est-à-dire il est venu dans ce monde pour être éprouvé par rapport à cette tava-là. Az niftachim lo sodot haTorah demetamrin begalin le. À ce moment-là, les secrets de la Torah, ils s'ouvrent à lui et tout ce qui était caché, ça se révèle. Pourquoi? Parce que maintenant,
il a arrangé l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance, c'est ça qui va lui permettre de recevoir ce qui est caché. Ce qui est révélé, il peut y avoir accès, même s'il ne garde pas trop bien l'alliance. Parce que c'est quelque chose de révélé, comme on dit, c'est quelque chose qui a été popularisé, si on veut. Mais les secrets de la Torah, ce n'est pas populaire. Les secrets de la Torah, ça veut dire que quelqu'un il veut rentrer dans les, comme on dit, dans les petits papiers, il veut rentrer dans les coulisses. Alors pour rentrer dans les coulisses, il faut des liens avec Hachem. On exige une confiance beaucoup plus élevée. Cette confiance-là, elle va se traduire dans Tikkun HaBrit. C'est là où la personne, elle va montrer la confiance, son engagement. Et ça, c'est le principal de la réparation des gens qui descendent dans la mer pour arriver à passer la mer Béchalom. C'est-à-dire que le nian de pouvoir passer la mer Béchalom, ça vient de Tikkun HaBrit. C'est-à-dire c'est le Tikkun de HaBrit qui fait qu'on peut circuler en mer sans problème. Maintenant, comment on arrive à passer dans la mer, ça vient du Pasuk qui dit Hanoten Bayam Darer, c'est-à-dire celui qui fait un chemin dans la mer. Normalement, on ne devrait pas avoir de chemin dans la mer. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour l'homme de circuler en mer. Mais Hachem, il a fait que l'homme il peut avoir un chemin dans les eaux même tumultueuses, l'homme il peut avoir son chemin. Chez Misham Yeshkoach Lavor Derech Hayam Beoniot, que de là ça vient de Hanoten Bayam Darer, c'est de là où les bateaux ils ont la force de pouvoir passer en mer. Prinar Derech Onia Beleviam, comme on a dit, le pasuk Derech Onia Beleviam, le chemin du bateau dans le cœur même de la mer. Tout cela, ça vient de la réparation de l'alliance. Parce que tout le Tikkun HaBrit, c'est Anoten Bayam Berer. C'est Hachem qui donne un chemin dans la mer. Comme c'est écrit dans la deuxième partie du côté Moharan, dans la Torah 87. Beinyan Kavanot Elul Sheum Prinat Brit HaBrit Aincham. Que c'est les Kavanot de Elul. Que c'est le Tikkun HaBrit va avoir là-bas. Alors cette Torah, on l'a déjà faite, cette Torah-là, Pesahim, du 87, qui l'amène ici. C'est une Torah qu'on a faite l'an dernier, en Elul, avec la Torah sur Elul. Donc là-bas, il parle du Nyan de Tikkun HaBrit, c'est-à-dire que comment faire pour réparer l'alliance, parce que tout le Nyan de Elul, puisque maintenant on s'approche de Zat Hashem Rosh Chodesh Elul, c'est dans quelques jours. Tout le lien de Elul, qu'on dit « Ani le Dodi, le Dodi li », moi je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé il est à moi, c'est-à-dire c'est le rapport entre chaque juif avec Hachem, de la Knesset Israël avec HaKadosh Baruch Hu, ça c'est la réparation de l'alliance. C'est-à-dire « Ani le Dodi, moi j'appartiens à mon bien-aimé, et mon bien-aimé il est à moi ». Ça c'est la définition même de l'alliance. L'alliance c'est quoi? C'est que moi j'appartiens à Hachem, moi je suis lié avec Hachem. « Ani le Dodi ». Je suis à lui. Et lui, il est à moi. Ça veut dire qu'on est lié complètement. Donc ça, c'est le ikar de la tchouva. Qu'on fait tchouva sur quoi? On fait tchouva sur le fait qu'on a abîmé les liens avec Hachem. C'est ça le ikar de la tchouva. Le ikar de la tchouva, c'est que maintenant Hachem, il est venu vers nous. Hachem nous a créés. Hachem nous a donné la Torah. Hachem nous a donné Eretz Israël. Hachem nous a donné le Shabbat. Hachem nous a donné beaucoup de choses. Et maintenant, nous, on n'a pas tenu dans le niveau de confiance qui était requis pour ces choses-là. Si quelqu'un maintenant il vient, regardez, je vous ai dit Yosef, il vient, il travaille chez Potiphar, d'accord? Il vient travailler chez Potiphar. Potiphar, il voit que Yosef c'est un tzaddik, c'est un homme de grand niveau. Il voit qu'il amène une bracha dans la maison. Il lui dit, regarde, prends tout tu peux prendre. Tout ce qu'il y a là, tout, c'est à toi, tu diriges tout, sauf ma femme. C'est normal. Alors lui, Yosef, quand maintenant sa femme, la femme de Potiphar, elle vient pour essayer de le faire tomber, alors lui, il dit, mais je ne peux pas faire ça à mon maître. Comment je pourrais faire une chose pareille? Parce qu'il y a trop de liens qui se sont créés. Il y a trop de liens. Si maintenant quelqu'un il remercie Hachem tous les jours, il voit tous les chassadim qu'Hachem lui a fait, que bon Hachem, combien de gens à son âge, ils sont morts depuis longtemps. Combien de gens à son âge, ils n'ont jamais eu d'enfants,
Combien de gens à son âge, ils sont jamais venus en Eretz Israël? Combien de gens à son âge, ils n'ont jamais gardé un Shabbat? Combien de gens, ils n'ont jamais fait un Tikkun HaKlali? Ils n'ont jamais été à Ouman? Combien de choses il a eu dans sa vie que Hachem lui a fait chesed, qui lui a dit, allez, je te donne. Pourquoi Hachem, pourquoi lui, il est mieux que les autres? C'est pour ça qu'Hachem lui a donné, il n'est pas mieux que les autres. C'est un ben Adam, on est des gens moyens. On n'est pas mieux que personne, ni pire que personne. On est moyens, des gens moyens. Donc maintenant, si on a reçu quelque chose, ça veut dire qu'Hachem nous a fait cadeau. Hachem nous a fait cadeau. Maintenant, si on a fait cadeau, on a un cadeau, il faut dire merci, il faut être reconnaissant. Si on est reconnaissant, ça va nous engager. Parce que si vous reconnaissez que c'est Hachem qui vous donne tout, ça y est, vous êtes ficelé. Parce que, il dit, moi je peux pas. Il dit, moi je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas, je suis lié. Je suis engagé. Moi, ma grand-mère, elle est à Shalom depuis que j'étais tout petit. C'est ma grand-mère qui m'a élevé, j'étais tout le temps avec elle. Et elle m'a dit, je vais te demander une chose, tu me promets, toute ta vie, tu gardes ça. Je lui ai dit, mais Bezat Hachem, je te promets. Elle me dit, regarde, jamais tu mangeras du pain à Pessah. Tu me promets ça. C'est tout ce que je te demande. Ça, jamais tu toucheras, tu mangeras le pain à Pessah. Est-ce que tu me promets? J'étais tout petit, j'avais 4 ans ou 5 ans. Je lui ai dit, je te promets. Alors ça y est, c'était réglé. Maintenant, j'ai eu des épreuves. Quand j'étais jeune, j'étais en France, mes parents étaient en Israël et tout. J'avais des amis qui, malheureusement, ils mangeaient des sandwichs à Pessah, des trucs. Jamais. Tu dis, mais pourquoi? Tu n'es pas content. Je ne peux pas. Je suis lié. Je me suis engagé. Je suis lié. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie ou parce que... Je ne sais pas. Moi, je me suis engagé, c'est tout. Moi, j'ai un rapport de confiance. C'est quelque chose, je me suis engagé. Je ne peux pas toucher ça. Maintenant, si quelqu'un il s'engage avec Hachem, avec la Emouna, c'est-à-dire avec la confiance, qui est la confiance dans Hachem, jamais il va faire des Averot. Jamais il va faire des Averot. Comment il va pouvoir faire des Averot? Il ne peut pas faire des Averot. Il y avait un qui servait Yosef Chaim Zonenfeld, je crois qu'avant qu'il meure, quand la Chevra Kadisha est venue pour lui dire de faire vidouille, il a dit, je n'ai pas sur quoi faire vidouille, je n'ai jamais fait une avéra dans ma vie. Il dit, vous savez pourquoi je n'ai jamais fait des avérantes? Parce que j'étais trop occupé, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de faire des avérantes. C'est pour ça que je n'ai pas fait des avérantes dans ma vie. J'étais tellement occupé de m'occuper du tzibourg, de ça. Je n'avais pas le temps de faire des avérantes. Quelqu'un il s'engage avec Hachem. Anil et Dodiv et Dodili. Il dit, ça y est, maintenant je m'engage avec Hachem. Maintenant on va faire un mariage avec Hachem, on s'engage. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors Hachem, il te dit, si toi tu ne m'abandonneras jamais, moi, de toute façon, moi je ne t'ai jamais abandonné. Moi, j'ai toujours été avec toi. Maintenant, c'est toi qui t'éloignes. C'est toi qui casses le lien et qui casses la confiance. Mais même quand tu casses la confiance, c'est de ton côté à toi que tu casses la confiance. De mon côté, moi j'ai toujours confiance en toi. Mais toi, comme tu as cassé la confiance, alors tu crois que les rapports ils se sont abîmés. Ils ne se sont pas abîmés, on est toujours là. Et quand tu veux, tu reviens. Alors le tikkun de Elul, c'est un oten bayam derer, c'est-à-dire que Hachem il donne un chemin dans les eaux tumultueuses, c'est-à-dire là où l'homme il est en train de se noyer, là-bas que Jehovah lui donne un chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin de la tshuva, c'est le chemin du retour. Comment je vais revenir maintenant? Comment je vais retraverser la mer pour revenir vers Hachem? Comment je vais faire pour passer toutes les choses dans lesquelles je me suis embourbé? Comment je vais sortir de tout ça? Alors les Kavanot de Elul, c'est-à-dire cette Torah-là, la Torah 87, elle est liée avec la Torah 6 du Likutei Moharan. C'est-à-dire quand à la fin de la Torah 87, de la deuxième partie du Likutei Moharan, il dit là-bas, Rabbeinu, il dit voilà, maintenant, va voir la Torah Vav, et là-bas, va étudier cette Torah, et essaye de faire quelque chose de ce qui est écrit là-bas, et avec ça, tu vas réparer le Brit, tu vas réparer ce lignal-là. C'est-à-dire que maintenant, tout c'est de rétablir la confiance. Mais la confiance, c'est ce que la personne, elle ressent en elle. Ce n'est pas du côté d'Akadosh Baruch Hu. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, il nous a toujours fait confiance, il nous a déjà toujours tout donné. Le problème, c'est de l'autre côté à nous. Nous, le fait qu'on fait des bêtises, ça nous casse dans notre rapport avec Hachem. On dit, comment je vais revenir avec, comment tu veux que je me considère comme un homme de confiance? Voilà, je l'ai trahi, j'ai fait ça. Je ne peux pas, je n'ai pas...
j'ai pas le cœur de revenir, j'ai pas le cœur. Mais ça, c'est faux, parce qu'Hachem, il est toujours là. Hachem, il est toujours là et t'attend. Hachem, chez lui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avérot, il n'y a rien du tout. Hachem, il t'aime. Et Hachem, il t'a créé, Hachem, il veut te donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Il attend uniquement que toi, tu rétablisses la confiance de ton côté. Mais de son côté à lui, il n'y a aucun problème. Mais il est toujours là, quand je vous fous, il est toujours là. Quand tu veux, tu reviens. Hachem, il est là. C'est ça qu'il faut arranger. Et ça, c'est Tikkun HaBrit. Tikkun HaBrit, ça veut dire on arrange l'alliance. C'est-à-dire on va renforcer les liens. Vous voyez, comme dans des entreprises ou dans des trucs, ils font des réunions entre les gens. Ils font des vacances entre les gens. Ils font des sorties au restaurant entre les gens, etc. Pourquoi ? Pour renforcer les liens entre les gens dans l'entreprise. Parce que quand les gens ils se fréquentent en dehors du travail, c'est-à-dire ils vont passer une soirée dans un restaurant, ils vont faire des vacances, etc. Ils vont resserrer les liens qu'il y a entre eux. Ça va leur donner... Vous croyez que les patrons, ils sont bêtes, ils vont aller dépenser des milliers d'euros pour aller payer des vacances à leurs employés. C'est parce qu'ils savent que ça va rapporter plus. Parce que si un jour il a besoin de lui demander de rester une heure de plus, il ne peut pas lui dire non. Parce qu'il y a des rapports de confiance qui se sont établis, qui sont au-delà du travail. Maintenant, s'il réchauffe pas ses rapports tout le temps, le jour où il va lui dire rester une heure de plus, il va lui dire je suis désolé, j'ai ma femme qui m'attend, ou je suis allé chercher mon fils, il est dans un cours de piano, il m'attend, il n'a pas comment rentrer. Il va lui dire, c'est parce qu'il manque des réponses. Mais si maintenant ils ont établi des liens de confiance, ben le bonhomme il va dire oui. Et il va appeler sa femme et lui dire tu m'excuses, je vais rentrer en retard, tu vas chercher le petit. Il va se débrouiller, mais il va être présent parce qu'il y a eu des liens de confiance. C'est ça que Kachbouk veut. Kachbouk veut te donner beaucoup, mais il faut que tu arranges la confiance. Et le cœur de la confiance, il est basé sur Tikkun HaBrit. Plus l'alliance elle est gardée, plus maintenant il y a de la confiance, il y a de la Emouna. Et s'il y a de la Emouna, il y a tout. Tout est réparé. Tout est là, tout est arrangé, il n'y a aucun problème. Le quart, c'est de construire le Emoun, de construire qui est des rapports de confiance avec Hachem. Et ça, c'est quelqu'un qui va comprendre comme ça les secrets de la Torah. C'est écrit dans la spiritualité, c'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans les secrets de la Torah, s'appelle Yordé Ayam Beoniot, qui descend dans la mer avec des bateaux. Osé Melacha Bemaim Rabim, qui travaille dans des eaux tumultueuses. Ki rak hem yordim bayam achokhma bemelacha gdola venifla. Parce que c'est que eux qui savent, c'est les tzadikim qui sont chomer abrit. C'est que eux qui descendent dans l'océan de la sagesse, dans un travail grand et merveilleux. Verak hem roim maase Hashem venifla otav anoraim. C'est que eux qui voient les maase Hashem, qui voient les actions d'Hashem et ces merveilles extraordinaires. Prinat, Hemara Uma Se Hashem Venifle Otav, comme c'est écrit là-bas dans le Passouk 24 de ce Mizmor qu'on a dit, Kufzaïn, que maintenant eux ils ont vu les Maase Hashem et ses merveilles. Qui en mi Sheyeda Veyasig Gdulat Aborik Barach, Venifle Otav Venora Otav Atsumim, Kmo Baale Sodot Torah. Parce qu'il n'y a personne qui connaît la grandeur d'Hashem et ses merveilles extraordinaires comme les gens qui connaissent les secrets de la Torah. Moshkato bezohar akadosh ou betikunim, comme c'est écrit dans le Zohar et dans les Tikkunim, aval en mishis kelazekim shomrei abrit kodesh behemet. Parce que, mais pour avoir accès à ça, il faut garder l'alliance behemet. C'est-à-dire, il faut faire partie des chevaliers de l'alliance. Il y a les chevaliers de l'alliance. Chevaliers de l'alliance, c'est des gens qui gardent, qui sont engagés à garder le brit kodesh. C'est-à-dire, tout ce qui est pas, tout ce que Hachem ne veut pas, ils ne le font pas. Tout ce que Hachem il a dit sont des choses interdites, alors ils gardent. Ils gardent leurs yeux, ils gardent les rapports, avec qui ils vont se marier, quel rapport ils vont avoir, Tarat HaMishpacha, la Kdusha dans le comportement, tout ce qui lie ce domaine-là, tout ce qui est à ce domaine-là, il faut attention. Parce qu'il dit, moi je veux pas abîmer les rapports que j'ai avec Hachem. Je ne veux pas. Moi, j'ai des rapports avec Hachem, je veux les préserver. Je ne veux pas abîmer cette confiance-là que j'ai en lui et qu'il a en moi. Ani le dodi ve dodi li. Moi, je veux que ça reste comme ça. Je veux Elul, je veux rester dans Elul. C'est ça
Le siman de Elul, c'est la Vierge dans les simanim. C'est-à-dire, c'est la confiance totale dans Kadosh Baruch Hu, pour qu'il puisse avoir confiance en nous. Sinon, Hachem, il te dit, regarde mon fils, je t'aime, mais je peux rien, je peux pas te donner, parce que les astres, ils bloquent ton... Ils bloquent. Moi, je t'ai tout préparé déjà, mais c'est bloqué. Ça n'arrive pas chez toi. Comme quelqu'un, il a une opposition sur son compte ou un truc. On lui envoie de l'argent pour l'aider, des mandats et tout. Il ne peut pas les recevoir, c'est renvoyé parce que le compte, il est bloqué. Maintenant, ses parents, ils veulent l'aider, ses frères, ils veulent l'aider, tout le monde veut l'aider. Il lui envoie de l'argent tout le temps, tous les mois et tout. Il dit, j'ai pas reçu. Mais comment ça se fait que tu n'as pas reçu? Voilà, on a le relevé ici, qu'on a été débité, on t'a envoyé l'argent. Lui, il a rien reçu. Pourquoi? Parce que les astres, ils bloquent. Les astres, ils bloquent. Parce que maintenant, lui, il a un problème de confiance entre lui et Hachem. Il a un problème d'alliance. Donc, il profite de ça. Vous comprenez? Comment tous les jeunes qui sont devenus des voyous, des bandits et tout, sont devenus comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs parents. Des gens qui étaient aimés par leurs parents et qui aimaient leurs parents, jamais ils ont tourné dans leur vie. Ils n'ont jamais mal tourné dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Ils sont liés. Il n'y a pas besoin que son père et sa mère ils soient sur sa tête toute la journée. Il n'y a pas besoin de ça. Il a besoin qu'il y ait de l'amour et de la confiance entre les enfants et les parents. C'est où ça suffit. Et après, tu lui laisses faire ce qu'ils veulent. Va où tu veux. Ton fils, il te demande, tu peux aller là-bas. Va, mon fils, va où tu veux. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? J'ai confiance en toi. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi. Tu ne vas pas me trahir. Je le sais que tu ne vas pas me trahir. Comment des gens ils sont fait influencer par des gens qui sont drogués ou des voleurs ou des trucs et tout? Comment ils sont fait influencer? Parce que le lien avec leurs parents, il n'était pas fort. Il était abîmé. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui ont fait que l'amour, il n'était pas total. Alors la personne, elle s'est sentie lâchée. Quand elle s'était lâchée, elle s'est accrochée sur d'autres choses. Elle a plein des clipotes qui attendent pour attraper les gens. Seulement les gens ils résistent parce qu'ils sont attachés à quelque chose. Ils ont des valeurs. Ces valeurs-là, ils ne veulent pas les détruire. Ils disent non, moi je ne peux pas faire ça. Quand Yosef Hatzadik a eu le Nisayon aussi, il a vu le visage de son père. Rabbeinu dit dans Sefer Amidot que c'est une ségoula pour être sauvé de Averont, que quand quelqu'un il a une épreuve, il doit se représenter l'image du visage de son père. Pourquoi le visage de son père, ça va lui donner la force de résister? Parce que le visage de son père, ça va lui inspirer la crainte d'Hachem. Et il va arrêter de faire les bêtises qu'il allait faire. Parce qu'il y a un lien de confiance. Maintenant, c'est sûr que si avec son père, il n'était pas en confiance, il avait des rapports de haine avec lui et de trucs, c'est sûr que ça ne sert à rien. Il va se présenter le visage de son père. Au contraire, il va faire encore plus d'avérot. Ça ne lui sert à rien. S'il n'a pas gardé une image positive de son père, c'est sûr que ça ne sert à rien. Mais normalement, des parents, avec les liens qu'ils ont avec leurs enfants, ça suffit largement pour les protéger toute leur vie, pour qu'ils soient dans le droit chemin. Pas besoin de leur parler, de leur dire « fais comme ça, ne fais pas ça, ne fais ci », te demande, tu dois lui dire quoi faire. Mais normalement, tu ne dois pas être derrière lui. Si tu as des rapports de confiance, il n'y a pas besoin d'être derrière lui. Quand il faut être derrière lui, c'est quand il n'y a pas de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, alors... Tu as beau être derrière lui, ça ne sert à rien. Parce que lui, il est plus fort que toi, il court plus vite, il est plus jeune, il est plus rapide, il se fatigue moins, etc. Il en veut plus que toi. Plus que toi, tu veux le protéger, lui, il veut se sauver. Donc, tu ne peux rien faire. Donc, le lien des Sodot à Torah, c'est ça. Celui qui rentre dans les secrets de la Torah, c'est celui qui est en confiance avec Hachem total. Il a confiance en Hachem. Hachem, il a confiance en lui. Il ouvre toutes les portes des accès de la Torah. Valken, kolarot selichnos la pardes, shemarba, chelke à Torah. Maintenant, celui qui veut rentrer dans le pardes, dans le jardin de la Torah, qui sont les quatre parties de la Torah, qui sont le pshat, le remez, le drush et le sod, qui sont les explications simples, les allusions, les drush, les explications. Et les secrets, il est charlo lichnos le sham de la tzet misham beshalom kim kishzochei chol aprinot atikuim manal. Il ne peut rentrer là-bas et sortir beshalom que s'il fait tous les tikkunim dont on a parlé. On a parlé de tous les tikkunim qui sont la halacha, le shabbat, la tzedaka et tikkun abrit. D'accord, c'est les quatre choses qu'on a parlé. On a dit halacha, c'est pour les maladies. La tzedaka, c'est pour les remazim,
pour le désert, pour les gens qui sont dans le désert. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La prison, c'est Shabbat, c'est la Emouna pour sortir de prison. C'est le lien de Emouna, de Shabbat. Alors maintenant, quelqu'un qui veut sortir de là, il ne peut que grâce à ces choses-là. Maintenant, c'est dans ces quatre choses-là, la principale, c'est celle-là. Comme dans la Torah, le principal, c'est le socle de la Torah. C'est la chose la principale qu'il y a dans la Torah, c'est les secrets. Parce que si vous connaissez les secrets de la Torah, ça va vous attacher à Hachem pour l'éternité. Plus jamais vous pourrez... Parce que comment vous pouvez vous détacher? Quand vous connaissez le pshat de la Torah, c'est facile de vous détacher. C'est pas difficile, parce que c'est uniquement des idées logiques. Donc maintenant, quand vous apprenez par la logique, avec une autre logique, vous pouvez sortir de là. C'est-à-dire, si vous dites, oui, mais pourquoi c'est interdit? Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais maintenant, si on ne fait pas comme ça, on fait comme ci, comme ça, alors ça va être permis. Mais celui qui connaît les secrets de la Torah, il ne raisonne pas avec la logique. Il dit, Hachem, il n'aime pas ça. C'est tout. Hachem, il ne veut pas qu'on fasse ça. C'est tout. Ou Hachem, il veut qu'on fasse ça. C'est où? Ça ne va pas plus loin. Et là, il n'y a plus de réflexion. On ne peut plus réfléchir. On ne peut plus faire une réflexion qui va nous permettre d'aller ou de ne pas aller. C'est une grande simplicité. Bien sûr. Mais les secrets de la Torah, c'est pour arriver à la simplicité. C'est pour arriver à l'annulation de la logique. C'est pour rendre le bonhomme le plus simple possible. C'est fait ça, pour ça les secrets de la Torah. Tu crois que les secrets de la Torah, c'est pour faire des gens intelligents? C'est pour rendre les gens complètement les simplifier. Et ils peuvent être très intelligents après, très, 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 très puissants avec leur cerveau et tout, mais toujours dans un angle de simplicité et de émouna, pas avec leur cervelle à eux. Il y a des gens, ils vont vous dire, voilà, mais maintenant, regarde, si on va à la plage et que maintenant, il s'est séparé et on ne voit pas trop et on fait attention, on va d'un côté et on fait attention de ne pas regarder des femmes et en ce truc et tout. Alors voilà, il n'y a pas d'interdiction, etc. Mais si maintenant vous dites Hachem, il n'aime pas ça, ce n'est pas la peine de discuter, ni s'il n'y a que ça, ni il n'y a pas ça, il y en a si, il n'y a rien. Hachem, ça, il n'aime pas. Ça suffit. Maintenant, tu dois faire le shalom avec quelqu'un, Hachem, il veut que tu fasses le shalom. Hachem, il aime le shalom. Donc tu fais le shalom, c'est toi. Ouais, mais il m'a fait, ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a pas fait, on ne sait pas. Maintenant, sache que Hachem, il aime qu'il y ait du shalom. Donc, fais le shalom, c'est tout. Au nom d'Hachem, c'est tout. Toi, ta logique à toi, laisse-la de côté. Mais ça, c'est l'expression des secrets de la Torah. Parce que les secrets de la Torah, ça vous attache en profondeur, pas extérieurement. Plus vous allez rentrer profondément dans la Torah, dans les secrets de la Torah, plus vous allez avoir un lien profond. C'est pas un lien superficiel. Ce n'est pas un lien logique, c'est un lien profond, que la personne elle est complètement liée à Hachem. Elle ne peut rien faire si ce n'est pas avec l'accord d'Hachem. Et de l'autre côté, ça marche pareil. Comme Hachem dit, comment je vais faire quelque chose, je ne le dis pas à Abraham Avinu. Je suis obligé de l'avertir que je vais détruire Sdom et tout. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas, moi, aller détruire Sdom et ne pas le dire à Abraham Avinu. Parce que ça marche dans les deux sens. Celui qui a la Emouna, celui qui a la confiance dans Hachem. Alors Hachem, il s'engage avec lui. Et aussi, il lui fait savoir, voilà, je vais faire ça et ça. Et à ce moment-là, ça lui permet à lui de plaider et de sauver les gens, de sauver le monde. Parce qu'il va voir qu'il y a quelque chose qui est prévu, qui est négatif. Alors, il va demander à Kadosh Baruch Hu. C'est des rapports de confiance. Ce n'est pas des rapports de quelqu'un qui a un rapport superficiel avec Hachem, qui connaît, comme on dit, que les pourquoi on prend un avocat et tout pour nous défendre dans un truc? Parce qu'on dit que c'est ceux qui connaissent bien les lois, c'est eux qui savent les détourner. Parce que comme ils connaissent bien les lois, alors ils savent comment on joue avec les lois. Pas de problème. Vous avez maintenant des périodes ou des choses où les gens, ils ont des raisonnements logiques. Ils disent, oui, mais maintenant, voilà, ça, c'est les enfants, maintenant ils sont en vacances, il faut faire ci, il faut faire l'autre. Ils ont des raisonnements logiques. Ça, c'est permis, pourquoi? Il n'y a pas de raison, etc. Maintenant, quand ils raisonnent, c'est pas, c'est, vous entendez dans la voix de quelqu'un
vous savez combien quelqu'un il est lié avec Hachem. Rabbeinu il dit, quand quelqu'un il chante, vous pouvez savoir quel est son degré de Ol Malchut Shamaim qu'il a. Combien le joug d'Hachem il est sur lui. Quand quelqu'un il vous parle de quelque chose dans la Torah, quand vous entendez son raisonnement, vous pouvez savoir exactement où il est dans son engagement. Et il y a des choses, c'est même pas la peine, c'est pas la peine de discuter. Comme il nous disait Rav Besançon, Zacher Altov, il nous disait quelqu'un, il a dit voilà, ils ont demandé une shéla, est-ce que les savons qu'ils ont fabriqués avec la graisse des gens qui étaient dans les camps de concentration, quand ils faisaient fondre les corps, alors ils ont fabriqué des savons avec ça, les Allemands. Et ils vendaient ces savons-là. Alors il dit maintenant, ils ont demandé la halakha, est-ce que c'est permis de se laver avec ces savons-là? Alors c'est un pi halakha, c'est permis, d'accord. Il dit mais est-ce que quelqu'un il peut se laver avec du savon qui sait qu'il a été fait avec la graisse de ses parents ou de ses frères ou des... Est-ce que quelqu'un il peut se laver avec ça? Quelqu'un de normal, il ne peut pas se laver avec ça. Mais pourtant c'est permis. Alors pourquoi tu ne peux pas te laver? C'est permis, voilà. Il dit parce que je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ici l'émotionnel, il est plus grand que la logique. Il dit, je ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que j'ai un lien qui ne me permet pas de faire ça. Ça me dégoûte, je ne peux pas faire ça. Mais c'est permis. Même si c'est permis, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut être lié avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un il vous dit, non mais c'est permis, tu sais, tu as le droit. Tu dis, mais ce n'est pas ça que je cherche, je ne te comprends pas. Je ne cherche pas ce qui est permis. Je cherche à vivre avec Hachem. Je ne cherche pas ce qui est permis. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Hein? Ce n'est pas des chumrot. Non, ça n'a rien à voir avec les chumrot. C'est un lien, c'est tout. C'est un lien d'amour et de confiance avec Hachem. Donc tu n'as pas envie d'abîmer ça. Tu étais bien, tu es content avec Hachem, tu as de la joie, tu chantes, tu es bien, etc. Qu'est-ce que tu vas aller abîmer ça pour un quart d'heure de plaisir ou cinq minutes? Tu n'as pas envie. Après, tu ne te trouves pas bien, tu ne te sens pas bien. Si tu te sens tout à l'envers et tout. Pourquoi tu vas faire ça? Tu n'as pas envie, c'est tout. Mais ça, c'est au-delà de la logique. Et quand maintenant vous étudiez les secrets de la Torah, c'est à ce niveau-là que ça vous lie avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas au niveau de la logique. Parce que la logique, comme elle rentre, elle sort. Ceux qui étaient assis dans le Sanhedrin, c'était des Chachamim qui étaient capables de vous prouver toute la Torah à l'envers. C'est-à-dire, pour entrer dans le Sanhedrin, il fallait prendre toute la Torah et la prouver à l'envers de la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'il fallait prouver que Shabbat, les 39 travaux, ils sont permis. Il fallait le prouver de la Torah. Il fallait montrer que le porc, c'est permis de le manger. Et amener une preuve de la Torah. Sinon, tu ne rentres pas dans le Sanhedrin. Parce que chaque rave qui rentrait dans le Sanhedrin, il était capable de prouver de la Torah même le contraire de la Torah. Pourquoi? Parce que si un jour, Hachem, il dit de faire le contraire de la Torah. Comme quand, par exemple, ils ont écrit la Torah orale. C'est interdit, mina Torah, d'écrire la Torah orale. On n'a pas le droit à la Torah orale de l'écrire. Mais Chamim, ils ont vu, comme ils ont dit, « Et la sot Hachem, et firu Torah terra. » Maintenant, c'est pour Hachem, il faut faire le contraire de la Torah. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit que c'est interdit d'écrire l'orale. Maintenant, on va dire qu'il faut l'écrire l'orale. Maintenant, pour qu'on les écoute, il faut qu'ils amènent une preuve de la Torah. Sinon, on va dire, mais attends, il est en train de qu'est-ce qu'il raconte? C'est interdit d'écrire la Torah orale. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit non, voilà une preuve de la Torah. Que maintenant, ça c'était prévu par la Torah aussi. Qu'un jour on allait écrire la Torah orale. Donc voilà, c'est écrit dans la Torah. Et la sot Hachem, et firu Torah terra. Un moment où il faut faire pour Hachem, on a fait le contraire de la Torah. C'est-à-dire la Torah orale, on l'a écrite. Mais c'est comme ça pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, il fallait pouvoir les prouver le contraire de la Torah. À ce moment-là, ils rentrent dans le Sanhedrin. Donc vous voyez que la logique, ça ne veut rien dire du tout. La logique, c'est comme une monture. Vous pouvez mettre dessus ce que vous voulez sur la logique. Mais le lien affectif avec Hachem, le lien de confiance, le tikkun abrit, ça, vous ne pouvez pas le bouger. Ça, vous ne pouvez pas le bouger. Comme dit Rabbi Nathan dans l'Agdama du Sipurim Masiyot, il dit, chacun, il sait ce qu'Hachem, il aime. Est-ce qu'Hachem il n'aime pas? Même si quelqu'un n'est pas un grand Talmid Chacham, il n'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup les halakhot ni rien, mais il sait très bien qu'il y a des choses qu'Hachem il n'aime pas.
des choses qu'Hachem il aime, des choses qu'Hachem il aime pas. Ça, tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas la peine d'être, avoir une grosse tête pour être un tzaddik. Tout le monde sait quelles sont les choses qui sont aimées par Hachem, qu'Hachem il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas qu'on roule quelqu'un, il aime pas, il y a beaucoup de choses qu'Hachem il n'aime pas, et ça tout le monde le sait. Pas besoin de connaître beaucoup la Torah pour ça. Et maintenant, si quelqu'un il apprend beaucoup la Torah pour se permettre un maximum de choses, alors c'est à quoi ça lui a servi d'apprendre la Torah. Il vaut mieux qu'il n'apprenne pas et qu'il se permette moins de choses, puisqu'il ne saura pas comment détourner la loi. Donc il va être obligé d'appliquer la loi. Donc rentrer dans les sodotes de la Torah, c'est s'attacher avec HaKadosh Baruch Hu. Il dit « V'ikar talui b'shmirat abrit, kodesh kamuva b'Torah anal, ve'az daika zochim l'kisufim tovim ve'osin fashot tovim, ve'metzaya otiyot haTorah l'tov. » Donc maintenant, quand quelqu'un il a gardé l'alliance, alors il est zochim maintenant de vouloirs qui sont valables, des bons vouloirs, des languissements valables, et il crée des âmes qui sont valables, et il dessine les lettres de la Torah de façon positive. C'est-à-dire que maintenant les quatre parties de la Torah, que ce soit le pshat, le remez, le drash ou le sod, tous ils s'assemblent de façon positive. Pour faire de bons, engendrer de bonnes actions dans le monde. C'est-à-dire, il fait des combinaisons de lettres qui sont que du bien, que des lettres de bien. Alors, ces lettres de bien, elles vont faire du bien dans le monde. Et vous avez vu, par exemple, dans la Torah, c'est écrit, les gens, ils ont parlé de la Shoah et tout. Après, ils ont vu que c'était écrit dans la Torah. Que maintenant, d'où c'est venu? Ça vient que les gens, ils ont énervé Hachem dans le désert, ils sont mis contre Hachem. Alors, c'est écrit là-bas, Natsim Atem. Vous avez fait la guerre avec Hachem et tout. Alors, de ces Natsim-là, ils sont sortis les nazis, de là-bas, de cette chose-là. C'est-à-dire le fait qu'eux, ils avaient toujours ils étaient en train de râler, ils étaient en train de vouloir des choses qui n'étaient pas bien. Ouais, on veut retourner en Égypte, qu'est-ce que tu nous as fait, nous amener dans le désert, etc. Il n'y a rien ici. De ces expressions de râler, c'est-à-dire de ne pas être d'accord avec ce qui se passe et de vouloir le contraire, de vouloir des choses pas bien, de ça ils ont créé qu'il y a eu des choses pas bien. Et le contraire aussi, à force de vouloir le bien, alors on crée des âmes positives. Et ces âmes positives, elles vont faire des actes positifs dans le monde. Donc, dans le monde, tout ce qui se passe, de positif et de négatif, ce n'est pas la responsabilité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un monde, vas-y, fais-en ce que tu veux. Fais ce que tu veux du monde. C'est toi qui décides. Tu veux le bien, c'est un monde bien. Tu veux le mal, c'est un monde mal. C'est toi qui décides. Sache que chaque fois que tu veux le bien et tu l'exprimes, tu rends le monde mieux que ce qu'il était. Et chaque fois que tu veux du mal et tu l'exprimes, tu rends le monde pire que ce qu'il était, c'est tout. Chaque fois que tu voudras du bien, tu amélioreras la qualité de vie dans le monde. Et chaque fois que tu voudras du mal, tu vas détruire le monde. Mais Hachem, lui, ce n'est pas lui qui intervient là-dedans. Parce qu'Hachem, il te donne une matière brute qui est à travailler, à décider. Si tu vas la passer en bien ou tu vas la passer en mal. Comme tu dis de l'argent. De l'argent, ça peut servir à nourrir des gens, ça peut servir à tuer des gens, ça peut servir à soigner des gens, ça peut servir à rendre malade des gens, ça peut servir à tout. C'est à toi de décider de l'utilisation. Hachem, il t'a donné ce qu'on appelle la vie. Fais-en ce que tu en as envie. Tu as la vie devant toi. Ce que tu as envie, c'est ça que ça va être ta vie. C'est tout. Et tu verras, quand viendra un moment où on te montrera toute ta vie, tu verras que ta vie, c'est toi qui l'as faite. Il n'y a personne qui t'a rien fait dans ta vie. Personne ne t'a fait du bien, personne ne t'a fait du mal. C'est toi qui as fait toute ta vie, c'est toi qui l'as faite. Tu as voulu du bien, on t'a fait rencontrer des gens de bien qui t'ont aidé à progresser. Tu as voulu du mal, on t'a fait rencontrer des gens qui t'ont enfoui dans des problèmes. Mais c'est toi qui as voulu. Ne rend personne responsable des échecs de ta vie ni des réussites de ta vie. Ce que tu as réussi, bon, Hachem, c'est parce que tu voulais le bien. Est-ce que tu as échoué, c'est parce que tu voulais le mal. Hachem, il te donne une énergie neutre. Hachem, il ne va pas décider pour toi. Hachem, il t'a créé un monde, il t'a donné tout. T'as donné, voilà, comme quelqu'un, tu lui donnes un magasin, tu lui donnes un compte en banque, tu lui donnes de l'argent pour acheter des trucs. Tu lui dis, voilà, tu as tout, maintenant à toi de jouer. Tu as tout ce qu'il faut, tu as 6 mois de salaire d'avance. Allez, vas-y, débrouille-toi, avance. C'est à toi de faire ce que tu veux. Dans ce monde-là, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides ce que tu veux avoir. C'est ça que tu as. Il ne faut pas venir te plaindre.
oui, si j'avais eu des conditions autres, les conditions, c'est les conditions que tu as voulu aussi. C'est toi qui as voulu ces conditions. Si tu avais aspiré à du bien, tu aurais respiré aussi, tu aurais aspiré des âmes qui sont bien. Ton aspiration, ça t'aurait fait aspirer des âmes bien, elles t'auraient changé. Tu peux devenir un tzaddik. Il suffit que tu aspires à devenir un tzaddik, tu vas devenir un tzaddik. C'est ça que tu dois vouloir, c'est tout. Tu dois décider une fois pour toutes qu'est-ce que tu veux de ta vie. Tu veux aller à droite, tu veux aller à gauche, tu veux rester sur place, qu'est-ce que tu veux? Décide-toi, c'est tout. Décide, prends une décision et ça y est, avance. Avance et demande à Hachem ce que tu veux. Voilà à quoi j'aspire, comme on dit. Pourquoi on parle du mot aspirer? Parce que c'est dans la respiration que tu prends ces âmes-là. Tu les respires. C'est-à-dire tu vas les aspirer par ton souffle et ces âmes-là, elles vont rentrer en toi, elles vont te donner la force de faire le bien ou la force de faire le mal. Comment des gens ils sont arrivés à faire des massacres dans le monde, des trucs incroyables? Parce qu'ils ont aspiré des âmes négatives qui leur ont donné cette énergie-là. Et d'un autre côté, les gens qui sont arrivés à faire du bien, ils sont arrivés parce qu'ils ont aspiré des âmes positives. Et maintenant, dans la génération où on est, qu'on peut attirer... Aujourd'hui, il y a une ouverture de communication entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs comme il n'y a jamais eu dans le monde. Vous prenez les Shemota Tzadikim, vous appelez les Tzadikim, vous leur demandez de vous aider. Vous avez des grands-parents, des arrière-grands-parents, vous pouvez aller sur leur tombe s'ils sont là, leur demander de vous aider. Ils disent, voilà, je veux faire ça, je veux, aide-moi. Toi, tu es là-bas, plaide pour moi, ne me laisse pas ici. Et vous allez voir que ça marche, parce que ces âmes-là, elles attendent que ça, de pouvoir aider dans ce monde. Mais il faut le vouloir. Si quelqu'un il essaye de tourner en rond avec sa logique et d'essayer de trouver des solutions à ses problèmes, il peut tourner en rond pendant longtemps. Tandis que s'il exprime le bien qu'il veut, son aspiration il l'exprime, avec ça il va aspirer une âme positive. Et cette âme positive elle va lui donner la force de faire. Vous n'êtes pas ni fort, ni faible, ni rien. C'est uniquement l'énergie que vous avez dans votre moteur qui vous rend comme ça. C'est tout. C'est pas parce que vous êtes faible. C'est personne n'est faible et personne n'est fort. L'obekoar velobechaïl kim beruchi, Hachem dit. C'est pas ni avec la force, ni avec les biceps, c'est rien qu'avec mon souffle, Hachem dit. Il faut savoir qu'on est des kelim, qu'on peut faire des échanges standards de moteurs. C'est-à-dire, ce que vous avez à l'intérieur, votre énergie spirituelle, elle peut changer. C'est pas la même. C'est pas obligé d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes comme ci, comme ça, demain, vous pouvez être quelqu'un d'autre complètement. À vous de le demander. À vous d'y aspirer, c'est tout, et de l'exprimer. Ça, le chidouche de cette Torah. Seulement, pour aspirer au bien, il faut un minimum être lié au bien. Il faut être lié, il faut un minimum de tikkun abrit, un minimum de rapport de confiance avec Hachem. Et à ce moment-là, on va commencer à vouloir le bien. Et quand on va vouloir le bien, on va devenir bien. Vous vous rendez compte si on dit à quelqu'un, si quelqu'un il arrive dans le monde du futur, il dit « Ouais, mais moi j'étais comme ça et comme ça, j'étais pas... » Tu dis « Mais tu as été ce que tu voulais, regarde, c'était à côté de toi, tu l'aurais voulu, on t'aurait donné tout ça, c'était là. Le colis il était prêt à être envoyé, mais tu n'as pas voulu. Tout était là prêt pour toi. Tu ne voulais pas, c'est tout. Pourquoi tu n'as pas voulu? Les gens ils croient qu'ils doivent faire quelque chose, il n'y a rien à faire, il faut rien que vouloir. Les gens croient qu'ils doivent construire quelque chose, qu'ils doivent faire. Même les gens qui sont riches, je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont des grandes fortunes, mais ils vous diront, je te promets, je ne sais même pas comment je suis arrivé à ça. Ils ne savent pas eux-mêmes comment ils sont arrivés à cette fortune-là. Ce n'est pas logique, parce que normalement un homme, il ne peut pas gagner des milliards. Comment il a le temps de gagner tout ça? Comment il fait? Lui-même, il ne sait pas. Les gens ils vous diront, je ne sais pas comment c'est venu. C'est une chose dans une autre, comme ça s'est fait. Je me suis retrouvé à la tête d'une fortune comme ça, je ne sais même pas comment je suis arrivé à ça. Ben dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un il va vous dire, voilà, j'ai appris toute la Torah, j'ai fait ça, je suis arrivé à ça, à des prières, à ça. Je ne sais même pas comment je suis arrivé à ça. J'ai commencé, je suis rentré d'une chose dans une autre et je suis arrivé à ça. Mais lui, à la base, il n'est rien. C'est un Kelly, il est vide, c'est tout. Comme un poste de radio, il n'est rien du tout. Maintenant, il tourne, ah, il y a de la musique, il tourne, il y a ça, il tourne, il y a ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il capte, c'est tout. Lui, il n'est rien du tout. C'est un récepteur, c'est tout. Mais si vous, il faut être conscient de ça. Sinon, vous tournez avec, avec vos énergies de base et vous tournez en rond. Après, les problèmes qui arrivent, ils sont insurmontables. Parce que c'est normal, vous tournez avec des énergies, un capital de base, vous tournez avec un SMIC spirituel. Mais vous ne pouvez rien faire avec ça.
Que vous allez faire avec ça? Quelle épreuve de la vie vous allez pouvoir attaquer et surmonter avec ça? Il faut prendre de l'aide, il faut aller remplir le réservoir. Il faut prendre de l'énergie, il faut demander de l'énergie. Il faut l'exprimer à Hachem sans arrêt, pour qu'il nous envoie des Neshamot qui nous aident. Ok, nous on est comme on est, on le reconnaît, Hachem, on reconnaît. Hachem, on reconnaît, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne comprend rien, on est bête. On est bête, on est tordu, tout ce que tu veux, Hachem. Mais on veut. Pourquoi tu nous as mis ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Bête et tordu comme ça, je vais rester toute ma vie. Donc qu'est-ce que je fais dans le monde? C'est pas possible qu'il n'y ait pas un moyen de sortir de ça. Alors aide-moi, envoie-moi, je demande des crédits, des gens qui viennent m'aider. Je suis prêt à partager avec eux tout ce qu'ils veulent, mais qui viennent m'aider, que je sorte de cet enfer-là. Je ne peux pas vivre comme ça. Donc, chacun, il faut qu'il l'exprime, ça. Et Hachem, il envoie. Il envoie des Neshamot. Et ces Neshamot là-bas, il faut que vous sachiez qu'elles attendent encore plus que ce que les gens qui sont ici. Les âmes d'en haut, elles attendent encore plus quelqu'un qui les appelle en bas que celui d'en bas, il attend d'appeler ceux d'en haut. Parce que celui d'en haut, lui, il ne peut rien faire du tout. Lui, il ne peut rien faire du tout. Lui, il est complètement dépendant d'en bas. Il faut qu'on l'appelle. Si on ne l'appelle pas, il ne peut pas bouger de là-bas. Mais si on l'appelle, alors il vient tout de suite. Le mendiant, il a dit, voilà, vous m'avez, voilà, je viens, je suis là. On dit, mais où il est le mendiant qui nous a donné à manger dans la forêt quand on est dit, t'es voilà, je suis là, je suis venu, ça y est, je suis avec vous, je vous donne tout, cadeau, qu'est-ce que vous voulez, voilà, prenez tout, je vous le donne, cadeau, allez, soyez heureux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Ils ont dit, mais comment on va faire maintenant? Il était là, il nous donnait quand on avait besoin de quelque chose, il nous le donnait et tout, comment c'était beau et tout. Il dit, voilà, je suis là, je suis venu, je suis là. Je suis arrivé, j'ai atterri chez vous, voilà, je suis là. Quoi vous avez besoin? Voilà, allez, je vous donne, le meilleur, je vous le donne, je vous le fais cadeau, prenez-le. Là, c'est les Neshamot, elles attendent de venir. Elles demanderont que vous appeliez, c'est tout. Ces Neshamot, elles attendent. Ces Neshamot, elles vous remercieront pour l'éternité que vous leur avez permis de descendre, pour faire du bien. C'est un mérite extraordinaire pour une Neshama. Parce que pour une Neshama qui est là-bas, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas de possibilité. Ici, vous pouvez jongler, vous pouvez faire plein de choses. Mais là-bas, vous ne pouvez rien faire du tout. Mais si on vous appelle d'en haut, d'en bas, on vous appelle, on dit, allez, je veux que cette personne vienne m'aider. Alors elle vient. Elle vient aider. Elle participe. Et pour elle, c'est une joie extraordinaire de pouvoir participer. Une joie extraordinaire. C'est une joie qui est, on ne peut pas la mesurer. C'est une joie néflamméante. Que la neshama de quelqu'un de la famille qui a des possibilités, elle descende, ou un tzadik qui vient pour aider quelqu'un, c'est un srout gadol meod pour la neshama. Et pour celui qui est en bas, il reçoit de l'aide. Il reçoit de l'aide, comme si vous avez une caisse une caisse qui doit distribuer des bourses et des choses comme ça. Et cette caisse-là, il faut bien qu'elle donne l'argent à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Ils sont présentés comme une association qui aide les étudiants. Maintenant, alors, ça leur donne des privilèges, on leur donne des pourcentages sur les impôts, n'importe quoi. Mais après, il faut qu'ils redistribuent ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Les chamottes qui sont en haut, elles attendent de pouvoir participer à la vie de ceux qui sont en bas. Il faut uniquement exprimer ce vouloir. Aval mi shemafrid chas v'shalom limud haTorah mitikunim anal sheikaram kedushat habrit. Mais celui qui fait une séparation entre la compréhension logique de la Torah et de tous les tikunim dont on a parlé, que le principal c'est la shmirat habrit, verotze lichnos le pardes blitik tikunim. Il veut rentrer dans le jardin, se promener dans les jardins de la Torah sans avoir fait tous les tikunim dont on a parlé. Alors ils peuvent devenir un apikoros comme Acher. Comme je vous ai dit plusieurs fois, Fraïkin, quand il avait entendu que les gens ils avaient arrêté la demi-heure de Moussar à la Yeshiva pour étudier autre chose, la Lacha, je ne sais pas ce qu'ils étudiaient, ils avaient estimé que la demi-heure de Moussar c'était de la perte de temps. Jamais je l'ai vu comme ça, il s'est énervé comme ça. Au Beth Amidrash, il a levé son shtender comme ça, il le levait, il le refaisait tomber par terre comme ça, avec du bruit, il a tendu
Lui, il a patienté parce que c'était un homme très, très. Il n'était pas très patient. Il a attendu toute la semaine. Il a voulu que tout le monde soit dans le Beth Amidrash. C'était à la Kabbalah Shabbat, c'était le vendredi soir, quand on faisait Arvit. Alors tout le monde était là dans le Beth Amidrash. Il n'y a pas une mouche qui volait. À ce moment-là, il a parlé. Il a dit, je vais te dire que si tu ne gagnes pas du moussa, avec tout ton learnen, tu peux devenir le plus grand apicorèse du monde. Tout ton learnen, tu peux te rendre le plus grand apicorèse du monde. Qu'est-ce que c'est ça de ne pas étudier le moussa? Il a commencé à passer normal. Quelqu'un, il fait juste. Qu'est-ce que c'est le moussa? C'est pour entretenir le lien avec Hachem. C'est ça le moussa. C'est comme on dit, viens, parle-lui, réveille son cœur un petit peu, dis-lui, c'est pas possible, il va pas te faire ça, etc. Contre les gens. Il dit, viens, mais on va lui parler, c'est de la famille quand même, c'est quelqu'un, il va écouter et tout. Mais c'est ça le moussard. Le moussard, c'est pour vous réveiller les liens qu'il y a avec Hachem. Maintenant, si vous aimez le moussard de côté et vous étudiez la Torah comme l'université, mais ça y est, tout est permis après. Un gars qui sort de l'université, il n'est pas obligé d'être honnête, il n'est pas obligé d'être sérieux, il n'est pas obligé de ne pas mentir, il n'est pas obligé de ça. Il a appris des choses, ok, mais c'est pas, il n'est pas obligé de les appliquer ce qu'il a appris. Il a appris des choses, il sait des choses. C'est ce qu'il dit ici, il sépare tzadik et lamdan, mais il peut arriver n'importe où, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Parce que le côté tzadik, c'est ça qui le tient, c'est le tikkun abrit, c'est l'alliance avec Hachem. Donc ça, il faut tout le temps que ça soit présent, sinon on peut arriver à de la picorsoute, chazé. Le ikar, c'est quand quelqu'un veut rentrer dans l'étude des secrets de la Torah alors qu'il n'a pas rangé le tikkun abrit comme il faut. Ki ikar asagat sodot ha Torah au lieu de shmirat abrit, parce que pour rentrer dans les secrets de la Torah, c'est par le fait qu'on garde l'alliance. C'est normal. Plus on va s'élever dans l'étude de la Torah. On va passer du pshat au sod, au drash, du pshat au remez, au drash et au sod. Alors plus on va avancer, et plus le niveau de Shmirat Abrit, il doit être grand pour pouvoir avoir accès à ça. Même les autres parties de la Torah. Il ne faut pas croire que c'est rien que les secrets, mais même le pshat, ou le remez, ou le drash, il faut aussi tikkun abrit. Kikola tikkunim anal shem emunah tzedaka. Parce que toutes les tikkunim dont on a parlé, qui sont les emunah, tzedaka, halakha, toutes les choses dont on a parlé, à kol talui bishmirat abrit. Tout ça dépend de l'alliance, comme je katouf sham. Shalidi tikkunim elu zochen kol chelka Torah kana. Al ken tzarich kol lamdan le pashpesh b'maasav. C'est pour ça qu'il faut que tout celui qui étudie la Torah, il doit analyser ses actions. Ulistakel be'atzmo im hu naki min achet. Il doit voir s'il est propre de l'avera, s'il ne fait pas des averot. Vimhu kadosh b'shmirat abrit karaoui. Est-ce qu'il est saint dans le maintien dans l'alliance comme il le faut? Vim yodea be'atzmo shadain lo yigi alazé. Et si maintenant il sait qu'il n'est pas du tout arrivé encore à garder l'alliance comme il le faut, mikol shken imhu rachok mi'tikun ze kmo shehu rachok. Encore plus s'il sait qu'il est très loin de ça comme il est loin de ça, kmo shematzu yachshav ben volonté no rabim. Comme si on trouve aujourd'hui par nos fautes, tsarich leda shadain en le torato shlemut. Il doit savoir que sa Torah, elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Qui im aledi tzadik agadol akadosh beemet bikdushat abrit beshlemut. Que avec le tzadik, que lui, il est arrivé à la kdushat abrit beshlemut. La seule chance qu'il a d'avoir accès à la Torah, c'est rien qu'avec le tzadik aemet. C'est tout. La seule chance que quelqu'un il a de se maintenir dans la Torah, de se maintenir dans son mariage, de maintenir ses enfants, de maintenir sa kippa sur sa tête, il a intérêt à se rapprocher du tzaddik, aller à Ouman, de faire un tikkun haklali, aller à Ouman Rosh Hashana, faire ce qu'il y a à faire. Parce que tout ça, tout ce qu'il arrive à faire dans la Torah, c'est rien que grâce à la shmirat abrit du tzaddik. Si quelqu'un il voit que là-dedans il n'est pas propre, comme la plupart des gens, c'est pas la peine de se rouler, la plupart des gens ils sont noyés là-dedans. C'est pas qu'ils ont des petits problèmes, ils sont noyés dans ce problème-là. Comment quelqu'un il est noyé dans le gam abrit, comment il va rentrer dans la Torah? Comment il va étudier même pas un pasouk de la Torah, il ne peut pas étudier. Mais seulement quand il se lie avec le tzaddik, alors il utilise ses liens. Comprenez, comme si vous connaissez quelqu'un, que maintenant lui connaît des gens. Alors vous allez le voir, lui dites, j'ai un problème comme ça, arrange-moi ça. Arrange-moi. Alors lui, il vous arrange. Parce que le fait que vous avez fait un lien avec lui, c'est comme si vous avez fait un lien avec Hachem. Parce que lui, il a le lien avec Hachem. Maintenant, le fait de vous lier avec lui, vous sortez du problème
qu'on va exiger que les astres ils vont vous boycotter au passage. Les astres ils vont vous boycotter. Si maintenant quelqu'un il a pété qu'on abrite, les astres ils le boycottent. C'est-à-dire quand il veut passer, il le limite, il lui enlève tout ce qu'ils peuvent, il lui laisse le minimum. Il le laisse comme ça, en caleçon dans la rue, il le laisse, sans rien du tout. Il lui laisse qu'un clochard. Rien il lui laisse. Mais quand quelqu'un il est lié avec le tzaddik, il passe dans le tikkun abrit du tzaddik. Quand Rabbeinu dit, qu'est-ce que vous allez faire tchouva sur vos averot? Toute votre vie, vous ne pourrez pas faire tchouva sur une avera que vous avez fait. Vous ne pourrez pas, toute votre vie. Alors venez, appuyez-vous sur moi, moi je vais faire tchouva sur vous, pour vous. Moi je vais faire tchouva pour vous, appuyez-vous sur moi. Et il n'y a pas d'autre choix. Tant que quelqu'un voit qu'il n'est pas arrivé à tikkun abrit, et pour arriver à tikkun abrit, Hachem Yazor, que chacun il est dit Yishuot, mais pour arriver à tikkun abrit, c'est tellement rachok du monde. Il y a un derrière qui est accessible, c'est l'attachement au tzaddik. Ça, quelqu'un ne peut pas dire il ne peut pas. Ça, quelqu'un ne peut pas dire ça, je ne peux pas. Parce que ça, c'est des petites choses. Ce n'est pas des choses qui. Il n'y a pas de tahava là-dedans. Faire tikkun haklali, il n'y a pas de tahava. D'aller au mikvé, ce n'est pas un tikkun tahava. D'aller à Ouman, il n'y a pas de tahava là-dedans. C'est qu'est-ce qu'il y a d'aller à Ouman? C'est quelqu'un, il voyage, il prend l'avion, il va là-bas, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il va sur le quai vert, il prie. Il n'y a rien là-dedans de tellement dérangeant. Bien sûr, si quelqu'un il croit qu'il va là-bas pour faire plaisir au peuple juif, c'est sûr que c'est difficile. Mais si quelqu'un il va là-bas pour acheter son âme, parce qu'il dit, moi j'ai besoin de... Moi je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin un petit de rentrer dans la Torah, j'ai besoin de vivre la Torah. Maintenant voilà, mes conditions, comme je suis, on ne me donne pas accès à la Torah. Pas le droit de rentrer dans la Torah comme ça. Alors comment je vais faire? Alors on te dit, voilà, tu n'arrives pas à faire des liens avec Hachem, fais des liens avec le tzaddik. Hachem ne peut pas te rentrer chez lui. Dans l'état où tu es, tu ne peux pas t'approcher. Tu t'approches d'Hachem comme ça, il te brûle. Et tu ne peux pas venir comme ça avec la touma que tu as chez Hachem. Comment tu veux établir des liens de confiance dans l'état où tu es? Tu ne peux pas. Tu ne fais que le trahir toute la journée. À chaque fois, tu lui dis ça y est, tu recommences. Comment tu veux qu'Hachem vienne? Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Mais avec le tzaddik, tu peux y aller. Tu peux aller. Le tzaddik, il est là, il est avec toi, il n'y a pas de problème. Et le tzaddik, il est là, comme il dit, il met ses mains là-bas dans le sang et dans les trucs pour purifier les gens. Il va là-bas purifier les gens parce qu'il sait que ces gens-là, les pauvres, ils sont dans l'état où ils sont. Alors avec lui, on peut faire des liens. C'est pour ça qu'il amène tout de suite, parce que si maintenant, vous regardez ce qu'on a étudié là, et vous vous posez les questions, comment vous allez faire, il n'y a pas de solution à tout ce qu'on a dit là. S'il faut toutes ces conditions pour entrer dans la Torah, mais ça y est, personne ne peut rentrer dans la Torah. Behemet. Mais il vous dit que maintenant, maintenant le tzaddik grand qui est kadosh, behemet, dans Gdushat Abrit, alors lui il vous ouvre les portes, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un il s'attache au tzaddik, alors le lamdan, il est nikhlal dans le tzaddik, c'est-à-dire le côté de chokhma de l'homme, il s'attache au côté tzaddik du tzaddik. Même si lui, il ne l'a pas, mais il s'attache au tzaddik, avec ça, c'est comme s'il l'avait eu lui-même. À ce moment-là, il peut recevoir une réparation de lui, et il va recevoir des désirs positifs, rentrer dans la Torah, et il pourra dessiner les Torah, faire les lettres de la Torah, faire des assemblements, des combinaisons positives grâce au tzaddik. Combien quelqu'un doit chercher un rabbi amiti comme ça? Comment quelqu'un doit trouver un rav qui lui dit, est-ce que vous pouvez me faire passer avec vous? Est-ce que je peux passer avec vous? Quand Rabbi Nathan, il a dit, je t'ai bien attrapé, il lui a dit, attachez bien le sac, attachez bien, faites des liens, que je ne sorte pas, que je ne me sauve pas. Parce que le Rabbi Nathan, il savait qu'un tzaddik comme ça, on peut se perdre, on peut s'éloigner de lui. Parce que ça ne dépend pas de la logique du tout. Ce qui dépend de la logique, vous pouvez raisonner. Ce qui dépend de la sensation, vous pouvez vous raisonner aussi. Le feu, vous pouvez vous raisonner parce que ça brûle. La faim, vous pouvez vous raisonner parce que vous allez le sentir. Des choses qui sont logiques, vous allez réfléchir. Mais ça dépend ni de la logique, ni de la sensation, ni rien du tout. C'est un mérite du ciel de trouver un tzaddik comme ça. Donc il dit combien il faut chercher des vakesh meod. Et maintenant, tant que quelqu'un voit qu'il a des problèmes dans l'alliance, c'est qu'il n'a pas trouvé le tzaddik encore. Il doit chercher, il faut chercher encore. Chez eux, Prinat, il m'a rave domé le malach Hashem, Tsevakot, Torah, Ivakshumipiu. Si maintenant le rave, il ressemble à un ange, à ce moment-là, tu peux demander de la Torah de sa bouche.
כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. אבל אם אינו מקורב לצדיק אמיתי כזה, מסי כלכן איזה פרפרושי דן צדיק ויריתה וכמסה, ומכל שכן שחולק עליו חס ושלום. מהפליפור דזון, שיחש ושלום, השם יצילנו, מסי כלכן אילי קונטר לצדיק, ובעצמו אינו קדוש כלל, כאשר יודע בעצמו, לוימם, מסי כאילו פעסן, כמו די, דלוימם, מסי טריביין דרכי ליטה איזו תחוב, והוא מתפאר ומתגאה רק בלמדן שלו, כאשר הוא למדן גדול, אלוהי ויין סגלוריפיה כסן גרן אתודיאן תורה, כי קונה בוקו צ'וז, אילסטן ארודי, זהו בחינת אחר שקיצת בנטיות. סס ספל אחר כדבנו אנריטיק, זה דג'אד לרזי, ממסי פרל דתורה דתו. C'est de l'hérésie, parce qu'il n'est pas kashour avec HaKadosh Baruch Hu, puisqu'il n'a pas tikkun abrit, il n'est pas kashour avec HaKadosh Baruch Hu. Et maintenant, le seul personne qui pouvait lui créer des liens avec Hachem, lui aussi, il n'est pas attaché à lui, il est contre lui. Donc, c'est quelqu'un, il est en indépendant complètement. Il est en freelance total. Et en freelance, ça c'est, il est un apikoros, quelqu'un qui travaille en freelance. C'est-à-dire, il ne va rien qu'avec sa tête, ça s'appelle un apikoros. Qui m'a frit ben lamdam ve tzadik. Parce qu'il a séparé la connaissance du comportement. Shaedese mafri dotiot a Torah milikudot tovim. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la Torah, les lettres de la Torah, des voyelles. Il rend les lettres de la Torah comme des golems, comme de la matière morte. Parce qu'il lui a enlevé les voyelles. Les voyelles, c'est le tikkun abrit, c'est le kisufim. Alors lui, il enlève ça, parce qu'il n'a pas tikkun abrit. Donc qu'est-ce qu'il reste? Que les lettres sans voyelles. ונשארים האותיות כגוף בלו נפש, דוקל רסקום אנקור סנזם, בחינת לא זכן עשה לו סם מוות. כמו שקריא סיכלכן אלא פעילו זכות לתורה שדוויין מורטל פורלוי. כביזיר מורטל, סביזיר קירס אבק דקור, דלת כיסו אנקור סנזם, פסקי זומפה דבוייל, דוקל סון קפאפ דסאסמבלי, דפורמי דמו, דפרז, יפה דבי דודו. זה בחינת ממש שהוא מפריד הנפש מהגוף. כי גם הוא מפריד הנפשות טובות שהן הנקודות מהאותיות שהן מבחינת גוף לגבי הנקודות כמובן בתורה הנ"ל, עין שם היטב, כל מה שהתחילה בדמם התורה ועבור לבא ביין קומיפור. אבל בעזרת השם דומה עוברה לו עניין דה קורח, ופגם דה קורח. Demain, on va voir comment dans Korach, comment il est rentré dans ce problème-là. Comment lui, s'est séparé de Moshe Rabbeinu. Avec ça, il a tout perdu, le Masé. Parce que lui-même, il ne devait pas être au niveau de pouvoir avoir accès à la Torah dont il parlait. Et donc, il était très très loin de ça. Il faut savoir que toute notre Torah, toute notre Gdusha, tout notre judaïsme, il dépend uniquement des tzadikim. C'est la seule chose. Si on arrive aujourd'hui à mettre une kippa sur la tête, c'est parce qu'il y a des tzadikim qui nous aident. Sinon, le poids de la kippa, on ne pourrait pas le supporter sur la tête. Le poids de la kippa, vous ne savez pas lourd la kippa, ça coûte combien? 20 grammes une kippa? Même ça, vous ne pourrez pas le mettre sur votre tête, s'il n'y avait pas les tzadikim. Même pour mettre une kippa, il faut qu'il y ait une énergie à l'intérieur. À Koshken pour faire une bracha et pour mettre les tefilines et pour faire Shabbat et pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc on a intérêt que personne il essaye de s'éloigner de ça. Parce que Rabbeinu il est metaken à Rosh Hashanah, ce qu'il n'est jamais metaken. Des tikkunim que Rabbeinu ne fait jamais. Il a dit que des gens qui sont irréparables, je peux les réparer à Rosh Hashanah. Et si quelqu'un, ça fait des années qu'il essaye, il voit qu'il n'arrive pas, il a intérêt à aller là-bas. Et si quelqu'un, il va là-bas et il voit qu'il n'est pas mieux qu'avant, à Koshken, combien il doit retourner? Parce qu'il doit voir, regarder avec toutes les séances qu'il a passées de chimio et de ça, et de l'autre, il est resté dans le même état qu'il est, ça veut dire qu'il est vraiment dans un état grave. Et il a besoin beaucoup de rachamim, que le tzadik, il ait pitié de lui, Béhémet, pour le sortir. Et c'est maintenant, c'est pas après. Après, on ne peut rien faire du tout. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut s'attacher, c'est maintenant qu'il faut se mettre à dépendre du tzaddik. C'est pas après. Après, il n'y a rien après. Après, c'est fini. Et après, c'est la prison. Il n'y a rien. Il ne peut rien faire du tout. Qui est-ce qui va venir le rechercher dans son trou là-bas, à Givat Shaul? Regardez ses propres enfants. Les gens, ils vont pas combien de fois ils vont les voir sur leur tombe? Les enfants, eux, à Kolchken, des gens, qui va aller appeler qui? Il va appeler sa grand-mère. Qui est-ce qui va aller appeler? Il n'y a personne à appeler. C'est maintenant qu'il faut faire les liens. Les contacts, il faut les faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut établir les contacts et se lier, qu'on puisse ouvrir la bouche quand on dit « Mais moi j'étais à Ouman, moi j'étais à Ouman Rosh Hashanah 20 fois, 30 fois, 40 fois, qu'est-ce que ça veut dire de me laisser comme ça ?»« Mais moi j'étais, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, on ne peut pas me laisser comme ça, et là vous avez une bouche, vous pouvez parler, vous pouvez vous défendre. » Mais si vous ne faites pas ça, qui est-ce qui va vous défendre?
est-ce que vous défendez? Même vous appelez Hachem, Hachem va dire, mais mon ami, j'ai pas dit que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'alliance, je t'ai demandé, moi je suis engagé avec ton ancêtre Abraham, avec le Brit, avec l'alliance. Mais toi, l'alliance, tu l'as pas gardée. Tu veux que je te sorte le film de tout ce que tu as fait dans ta vie? Alors laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire pour toi. L'alliance, tu l'as pas gardée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Maintenant, la seule possibilité qu'on a, c'est l'alliance, utiliser une alliance existante déjà. C'est l'alliance du tzaddik. Que maintenant, lui, il a fait cette alliance. Et maintenant que lui, il a fait cette alliance, alors nous, on peut prétendre à une alliance à travers lui. C'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et tant que quelqu'un n'a pas réalisé ça, c'est qu'il est très très loin de se rendre compte de ce qui se passe avec lui. C'est tout. Parce que s'il se rendait compte de ce qui se passe avec lui, je pourrais dire qu'il courrait tout de suite établir des liens maintenant avant qu'il soit trop tard, qu'il puisse avoir des gens qui vont l'aider, des tzadikim qui vont plaider pour lui. Il va aller sur les tombes des tzadikim, il va leur demander aidez-moi, vous pouvez pas me laisser comme ça. Regardez, moi je peux pas. Ce que je fais là, c'est le maximum que ce que je peux faire. Je peux pas faire plus que ça. Ça y est, je vais pas arriver plus que ça, je vais pas changer. Alors il faut que vous m'aidiez. Envoyez-moi de la force, donnez-moi la force de pouvoir réagir. Et ça marche, mais il faut le faire maintenant. Maintenant, on peut le faire. Après, on ne pourra pas le faire.